Le pneu qui est bien attaqué là, bien lisse, tout ça là, témoin d'usure, va falloir changer tout ça. Plus au centre que sur les côtés, il y a encore plein de gomme ici, c'est quand même ballot ça. Salut les amis, aujourd'hui, petite vidéo au programme. Changement pneu avant et arrière, histoire de faire les deux en même temps. Du coup, c'était des BT021 avant, pneus d'origine, bien usés. Du coup, je passe sur des pilot road, histoire d'avoir un meilleur grip, un pneu bigomme de qualité, meilleur techno. Je dépose la moto à Dog Biker, il monte tout ça dans la journée. Mes petits pneus là, bien carrés, pneus parisiens, l'interfile du périph, pas vraiment de grande courbe. J'ai moi-même dû attaquer la bande de peur à Chevreuse, pourtant ils sont en fin de vie. Hein. Pneus carrés donc, ce qui m'empêchait de mettre la moto sur l'angle. Clairement, ça voulait pas pencher. En même temps que je fais ma course, ce sera une occasion de faire le rodage. En même temps, s'il pleut, ce sera du rodage carré. À Paris, c'est clair, tu peux prendre des pneus GT, hein. Tourisme, grand tourisme. Parce que tu sais que tu vas rouler droit comme un i. Je récupère la moto ce soir. Et alors ce soir, ça risque d'être folklore. Parce que du coup, je dois aller chercher un truc. Je vous le dis pas tout de suite, vous verrez, ce sera la surprise. Mais un truc, je sais pas comment je vais faire pour la moto. Ça se fait, mais ça va être tendu. Qui plus est, là vous voyez le soleil. Et bah, c'est pas du soleil qui va durer. Ils ont annoncé un sacré orage ce soir. On va voir ce que ça va donner. On va voir comment ça va tomber tout ça. Parce que heureusement, j'ai prévu le pantalon de pluie. J'ai remis la doublure imperméable sur la veste. Incroyable, ce matin j'ai tous les feux verts, ou presque. C'est un pur bonheur, franchement. Ah, si ça pouvait être comme ça, tout le temps. Alors, police ou pas police? Police ou pas police? Police ou pas police? Taxi! What? Le point mort qui vient de se remettre tout seul. Elle tient pas très bien cette seconde. Hein. Il y a des jours ça passe, il y a des autres jours ça passe pas. Il y a des jours même où on laisse passer, il y a des jours où on laisse pas passer. Hop, 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 hop. Ah ouais, tous les motards qui sont passés à droite. Et moi, tranquille. Hey, on va jouer à un jeu. On va jouer à... Devine qui c'est ? A votre avis, qui c'est? Oh merde, le taxi! Oh, attention! Ouh, évitez de peu là. Clairement, le mec c'est comme une mouette. Il fait n'importe où. Eh oui, ça arrive d'être sympa. Me revoilà! Sous la pluie comme prévu, prêt pour aller chercher le bibelot avec mes nouveaux pneus. Le gars il m'a dit pas attaquer sous la pluie pour aller chercher un bibelot, c'est quand même la pire des journées. Oh, je stresse trop les gars, j'ose pas pencher quoi. Ah, oh, je me suis pris un truc dans l'œil alors qu'il pleut quoi. Coucou toi. Regardez-moi ça. Ce petit sumo à moto là, à scooter. Oh que c'est drôle. Je peux vous dire déjà une chose, c'est que là où ma moto avant avec ses anciens pneus tenait très bien le lent et le vertical, la moto elle est tout de suite beaucoup plus enclin à pencher. Pourquoi? Parce que la forme du pneu elle est beaucoup plus ronde. Bon allez, on lance Liberty Rider. Putain, s'il me voyait faire, il dirait que c'est pas bien. Oh putain. Allez, tu vas rentrer dans une impasse toi. Go. On n'oublie pas nos riders pour les copains. Bah, je peux vous dire que les pneus neufs sur du pavé mouillé n'accrochent à rien du tout. Puis moi j'ai essayé de freiner. Hein. Si vous croyez que c'était volontaire d'aller aussi près de la voiture, hein, que nenni. C'est bien parce que j'étais en train de freiner. Et heureusement que j'ai pas freiné du frein avant. Je me dis qu'avec cette pluie j'aurais peut-être dû prendre des PR4. Hein. Ouais, parce que là ceux que j'ai pris sont moins évolués. Je suis dégoûté. Mon pantalon de pluie qui remonte. C'est vraiment dégoûtant. Oh, l'orage qui arrive devant. Mon dieu. Allez, on avance. Il y a un de ces vents. Oh la vache. Oh, la tempête de devant. Petit tips pour ceux qui passent souvent par là. Faites gaffe, il y a une racine qui sort de plus en plus. Juste ici.
et qui secoue. Et franchement, à haute vitesse, ça peut vraiment bien surprendre. Ça m'a surpris et ça fait mal à la fourche. Il pleut, bergère, rentre tes beaux moutons. Bon, après, j'ai jamais connu la suite. Il pleut, bergère, je sais pas. Moi aussi, hein, je peux faire du bruit. Le mec devant, il en a rien à foutre au téléphone. Ça y est, il drache, comme diraient les gens du Nord. Et moi, je suis dessous. Aïe, 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 aïe. Essuie-glace. Essuie-glace. Ouais, 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 ouais. Oh, si seulement je pouvais rester sous le tunnel. Oh, à la sortie, il y a un pont. Oh, je vais faire ça. Oh, je vais m'arrêter. Ah non, non, mais là, faut que j'engueule ma femme. Faut que j'engueule ma femme. C'est de la folie. Elle veut me perdre, en fait. Je vais rester là. Oh, bah là, il pleut plus. Plus ou pleut plus. Genre, il pleuvait juste sur le parc, quoi. En mode arrosage automatique. Ok, bon bah, on peut y aller, hein. Oh merde, non, il pleut encore. Oh, je passe mes rapports de vitesse à 5000, pas plus, quoi. Ah ouais, alors lui, il va habillé comme ça. On dirait qu'il est en maillot de bain. Je parle du cycliste devant à droite. On dirait qu'il est en maillot de bain, en vélo. Du coup, ça fait quoi comme pizza, maillot de bain, mouillé? Ça fait pizza à la mer? Mais on n'est pas à la mer, pizza de rivière. On peut imaginer avec une truite, un saumon et des algues maritimes de rivière. Oups, là. Mais t'es clignot aussi. Bon, les amis, lever à Paris, c'est pas pour faire joli, hein. On est tous en train de se faire tremper, là. Ce serait bien de rendre à l'appareil. Ouh, ça grimpe. Ouh, ça grimpe. Ouh, ça grince avec du savon. Ah, un pneu neuf. Oh putain, je sens que je vais glisser. Mais c'est de la folie. Courage à toi. Oh oh. Je suis à 13 minutes de l'arrivée. La révélation du bibelot que je vais transporter. Putain, il y a un truc blanc par terre, je sais pas ce que c'est. Entre de l'aspirine et du savon. De l'air. Plus que 8 minutes avant l'arrivée. Enfin du coup pour vous, ce sera pas 8 minutes, hein. Bien sûr, un raccourci. S'il pleut pas pendant le chargement, ce sera déjà ça de gagner. Mais où est-ce que je suis là? 3 minutes avant l'arrivée. Je suis dans un pays où les femmes ont les cheveux au carré et portent des mocassins à foufou et des jupes. Et je crois qu'ils disent vive le roi aussi. Ou pas loin en tout cas. Plus que quelques virages avant la découverte. Eh les amis, je suis arrivé sans me toller pour l'aller. Maintenant il y a le retour. Et on va voir ce que ça va donner. Ma destination se trouve sur la gauche. Ok. Alors regardez. Le beau pneu carré. Quand on roule en ville, bah là du coup ça joue avec l'eau. En gros, ça, c'est tout neuf. Et c'est pas mouillé. Et derrière, la bande de roulage, ouais, c'est à peu près ça. Donc, c'est toute la place. Ici, ça, c'est toute la partie où ça frotte pas quand on est en ville. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Mon Dieu. Oui, pour le mobile, je suis là. Je suis arrivé, je suis au 19. Je vous en prie, merci. Le mobile, les gars. Le mobile. Vous êtes sérieux? Nouvel iPhone et tout, wesh. Mobile, iPhone, Samsung. Dernier Samsung, Galaxy S8, à votre avis? Waouh. Heureusement que j'ai des sangles, hein. On peut le plier, oui? Et est-ce qu'elle se scinde en deux? Ouais, il y en a deux. Tout ça. Donc il y a le coussin qui est là. Ok. Donc dedans on met les arches, c'est un jeu d'enfant. Hein. Ça, dans le sac du pantalon qui est imperméable. Va falloir plier les oreilles de l'éléphant là. Hein. Ou alors c'est le cou de la girafe qui doit prendre de la place. Oui, ça fait de la musique, j'avais compris. Ah putain, là je galère à le fermer. Oh, heureusement qu'il pleut pas. Bah ça me paraît bien ça. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas les clipser ensemble. Bon bah voilà. Hein. Sans kékine pas. Hein. Qui aurait cru que ça rentrerait dedans? Hein? Fait chaud là. Fait chaud. Bon, je me dis retour. Alors, hashtag, c'est bon, j'ai le mobile. Tu te l'épelles parce qu'il fait froid et il pleut. Puis 10 minutes après, tu crèves de chaud parce qu'il fait humide et chaud. Mais en tout cas, derrière, j'ai les arceaux qui se baladent. C'est trop drôle.
Le trafic du plastique, Dixit, la musique du gars. J'aurais plutôt dit de la résine, moi, mais résine de plastique, peut-être. Bon, l'aller, c'est fait. Maintenant, le retour. Ouh. Vas-y, pousse-toi, toi. Oh, le scooter qui me fonce dessus. On penche pas, il y a une plaque d'égout devant. Comment tu veux que j'évite, hein? Enfin, les plaques d'égout. Moi, je fais pas un évitement avec des pneus neufs sous la pluie, comme ça. Hein. Il faut anticiper, mon fils. Salut, copain. Chacun sa galère. Oh, on se prend le toboggan à l'envers. Alors du coup c'est pas un toboggan. Ah, un petit feu avant, histoire de bien casser l'ambiance. Histoire de bien t'empêcher de prendre de l'élan, hein, parce que bon, ça c'est fait pour consommer. Le complot est là pour te faire consommer de l'essence. Ah, ça y est, j'ai perdu la batterie de la deuxième caméra. Du coup, je resterai que sur celle-là. On se dirige vers les nuages. Quelle tristesse. Je commence à avoir froid avec les courants d'air. Je sais plus quoi faire, je veux une voiture. On est bien dans les voitures avec le chauffage et la clim. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. La 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 la. Faire de l'interfil sous la pluie en descente. Bon, ça commence à tourner et j'ai pas envie de pencher. Allez, faut s'intégrer. Derrière, ils peuvent pas me laisser tranquille. Je sais pas quoi, je suis déjà assez rapide comme ça. J'ai pas envie de mourir non plus. Hein, les gens, c'est pas la peine de nous coller à mi-motard. Ouh, ça penche. Ouh, j'ai peur. C'est comme si en fait vous faisiez du ski avec des skis tout neufs sur une piste verglacée par temps de brouillard et voire même de tempête. Salut, même lui il attaque pas trop. Hein. Pas pencher. Je vous ai bien eu hein, pour le mobile. En fait, je vous explique, du coup, c'est un parc à jeux pour bébé. En gros, tapis d'éveil, arceaux et compagnie, hochets. Et tous les petits animaux. Voilà. De quoi amuser bébé quand il sera là déjà. Salut les gars. Bon allez, je me lance dans le V vers les scooters. Putain, les mecs ils comprennent pas quoi. J'adore le GPS dans l'oreille, c'est génial. Prendre à droite quand vous le voudriez bien. Prendre à droite si vous le voudriez bien. Si votre Altesse veut bien prendre la direction nord-est sur la voie D1, je devrais faire enregistrer les voix par ma femme. Oh, ce serait un bon plan ça. Bon, on se rapproche de l'arrivée. Je suis bien content. Je suis pas mort. Je me suis pas tollé avec des pneus neufs sous la pluie. Oui. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée. Je sais pas pour vous, hein, c'est vous. Ouh. Quand il a frôlé. Accessoirement, pour ceux qui connaissent pas, il y a un bouton rouge en bas à droite avec une petite clochette. Si vous cliquez dessus, ça fait un son de la fée clochette. Voilà, à vous d'essayer. Mais il faut cliquer qu'une fois, ou alors trois fois. Ciao.